Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit miracle qui va vous faciliter la vie dans le travail de la pâte à sucre. Pour cela, je vais être accompagné de ma bouboule. Pour commencer, il faut savoir que la pâte à sucre s'utilise dans son état brut uniquement pour recouvrir vos gâteaux. Pour vos modelages et vos éléments de décor, il vous faudra du tilose, aussi appelé CMC. C'est un sucre qui va permettre à votre pâte à sucre d'être plus ferme, de se tenir mieux et de sécher plus vite. Le mélange pâte à sucre tilose, c'est ce qu'on appelle de la gum paste. Allez, je vous montre comment on l'utilise en réalisant notre poupoule. Pour réaliser votre poule en pâte à sucre, vous aurez besoin de tilose, de colle alimentaire, 500 g de pâte à sucre jaune, 250 g de pâte à sucre blanche, 100 g de pâte à sucre orange, 100 g de pâte à sucre rouge et 100 g de pâte à sucre noir. Pour la base, j'ai réalisé une sphère en génoise que j'ai recouverte de pâte à sucre jaune et sur laquelle j'ai collé des petits ronds de pâte à sucre blanche découpés à l'emporte-pièce. Et maintenant, on passe au modelage avec la gum paste. Pour 250 g de pâte à sucre, vous aurez besoin d'une cuillère à café de tilose. Incorporez le tilose en malaxant votre pâte à sucre jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible. Formez une boule que vous filmerez et que vous laisserez reposer 2 heures à température ambiante. Reproduisez l'opération avec les autres couleurs en ajoutant une demi-cuillère à café de tilose pour 100 g de pâte à sucre. Après le temps de repos, récupérez votre pâte à sucre, puis malaxez-la pour la travailler. Pour le cou de la poule, faites une boule que vous allongerez pour former un cylindre. Faites en sorte que ce cylindre soit un peu plus fin au milieu. Élargissez une des extrémités de votre cylindre pour former la base du cou. Lissez cette base en vous aidant de sucre-neige. A l'aide d'un petit emporte-pièce rond, venez dessiner l'encolure, puis retirez le surplus avec un scalpel. Finissez en affinant les arrondis. Pour le bec, formez une petite pyramide avec votre pâte à sucre orange. Puis, dessinez deux rainures avec un ébauchoir. Pour la crête et le barbillon, découpez 4 petits morceaux de pâte à sucre rouge. Formez le barbillon en affinant un côté de deux de vos boules. Puis la crête en aplatissant le dessus des deux autres boules. Pour les yeux, découpez deux disques de pâte à sucre blanche à l'aide d'un petit emporte-pièce rond. Et ajoutez-y deux mini-billes de pâte à sucre noir. Et voilà, vous pouvez maintenant coller tous vos éléments de décor à l'aide de colle alimentaire. Comme vous le voyez, utiliser du tilose est indispensable quand il s'agit de décor ou de modelage. Cela donne de la tenue à la pâte à sucre. Grâce à lui, notre poupoule aura fière allure pendant très longtemps.